Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout pour commencer à acclamer le Seigneur? So begin to clap for the Lord. Acclame, acclame, acclame Jésus. Clap, clap, clap. Acclame Jésus. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es digne. We clap for you because you are worthy. Que ton nom soit béni. May your name be blessed. Que ton nom soit exalté. May your name be exalted. La louange et la gloire à Jésus-Christ. Béni sois-tu pour l'éternité, Père. Blessed are you forever, au Lord. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ok, prenons nos Bibles dans Luc chapitre 4, Let verset 25. Let us take our Bibles in Luke chapter 4, verse 25. Luc chapitre 4, à partir de 25. Luc chapitre 24, à partir de 25. Tomilo wajaron, donana hunde ferebo, de faransa do. Anado, ado famana, ado. Qui peut interpréter en foufoulde? Qui peut nous aider en interprétant en foufoulde? Ah. Qui? Vous faites voir là, hein? Vous foufoulde. Orotoy? Moi? Qui? Amen. War? War, war. Aïcha, orotoy? Ok, hausse le micro. Où est le micro? Donnez ça. Amen. Donc, il n'y aura pas d'interprétation en français. Qui se met là-bas, il interprète en foufoulde. Aha. Allons-y. Luc chapitre 4, à partir du verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Ouvre-moi les oreilles pour comprendre les Écritures et que ma vie soit transformée. Et que 2022 soit une année de grâce. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen 3 fois et c'est scellé. Amen. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Bonne arrivée. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ça va comment? On est dans le jeûne, non? Le jeûne, c'est comment? Baissez le volume. Le jeûne est bien, non? Hein? Hein? C'est petit, non? Ah, ça c'est même pas le jeûne, ça. Ça c'est un petit jeûne. Amen. Le jeûne là, ça tape qui ici? Soumaïdou tape moi. Volule. Ça tape qui? Soumaïdo tape moi. Ok, ça va. D'ici 18h, tu vas aussi taper ça quand on va manger. Une fois tape en soumaïdo. Il n'y a pas de problème. Voilà. Amen. Amen. Voilà. On va prier après le message. Nous allons prier pour 2022. Dans tous les groupes de prière. N'oubliez pas de prier pour moi, pardon. Et prier pour 2022. On se concentre sur 2022.
Tout ce que 2021 nous a volé, nous récupérons cela, on réclame. Et puis nous prophétisons sur 2022. C'est pour ça qu'on est sur la montagne. On voit 2022 à l'horizon là-bas. Et on prophétise. Amen. Donc c'est ça. Et les heures de prière, ce n'est pas la prédication. Non, non, c'est la prière. C'est même pas le temps de louange ou d'adoration. C'est la prière. C'est une heure de prière intense. Amen. Donc, vous voyez, dans le passage qu'on a lu, on y a des Djangi Fadira. Fadira, tu es Djanta. Djanta. Amen. Ander Koen Djangi Djuta. J'ai dit que c'est qu'on a, dans le passage qu'on a lu, j'ai dit que c'est qu'on a lu le matin. Heureusement que moi-même, j'ai ça, Amen. Dans le passage aussi, la Bible parle d'une querelle entre Jésus et les Juifs. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus leur dit une vérité simple. Il leur dit que du temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut interpréter en profondeur? Ouais, tu es au Yowanda, Okumo. Warvautu. Deuxième candidat. Amen. Parce qu'il y a nos bien-aimés qui sont là. Ils doivent participer, ils doivent comprendre. Amboya ou Lewai? Dato, attends. Marche comme maintenant. Donc, à l'époque du prophète Élie, Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et je vois ma bémaï. Donc, mais le prophète Élie n'a pas été envoyé vers les veuves d'Israël. Ça va, je vais moi-même traduire. Amietti, ça va, merci. Amen. Donc, ça est Anabijo Eli dono Israël. Anabi Isaoui Wakati Mando Welo do Jour. Wala nyamdo. A Israël le fou. Le Romain Pat. Le Dimain le fou. C'est Isaoui. Saka Robe Je. Warbe mabbe mai di no pat a Israël o nagal mabbe on alla neli anabijo mako on neli anabijo mako do hanjananu ha woro fere be do yona sidon. Donc Jésus leur explique que lorsque Élie avait eu le problème de famine, de faim, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Dieu ne l'a pas envoyé vers les veuves de son peuple, mais vers une veuve païenne dans un pays païen à l'étranger. Et après, il leur dit que lorsque le fils d'Élie, le prophète Élisée, à son époque, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Il n'a pas purifié ces lépreux, mais il a purifié un lépreux païen. Les Juifs se sont fâchés contre Jésus. Ils avaient compris ce que Jésus voulait dire. Je ne sais pas si vous-même vous avez compris. Si quelqu'un avait compris, ça devait se fâcher. Parce que c'est énervant. Ils étaient fâchés contre Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Vous êtes le peuple de Dieu. Mais Dieu vous a abandonné pour aller chercher une veuve païenne qui ne le connaissait même pas parce que vos cœurs étaient mauvais.
Jésus voulait dire qu'en fait, parfois, le peuple de Dieu est à l'origine des grandes méchancetés. Dieu a regardé toutes les veuves. Aucune n'avait un cœur pour accueillir Élie. Et il a dit, ça ne vaut pas la peine. C'était son peuple. Mais j'étais méchante et j'étais mauvaise de cœur. Être appelé enfant de Dieu n'est pas signe qu'on est sauvé ou qu'on est connu de Dieu. C'est la vie que tu mènes, c'est le genre de cœur que tu as. Tant que ton cœur n'est pas changé, tu peux être dans le peuple de Dieu, mais cependant ne pas être approuvé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ne nous vantons pas d'être chrétien, ça ne sauvera personne. Ou d'être pentecôtiste, ça ne sauvera personne. Oh non, moi je connais Daddy. Ça ne sauvera personne. Ou je suis proche de Daddy. Moi je cause avec lui. Ça ne sert à rien de causer avec moi et aller en enfer. Daddy lui-même se bat pour être sauvé. Tous les jours, si je vous montre mon genou, c'est parce qu'il y a les femmes ici. J'allais montrer mon genou, c'est noir, deux points noirs ici. Daddy crie à Dieu tous les jours, qu'il ait pitié de moi. Toi tu te vantes que je le connais, c'est mon ami. Tu mates même les gens, hein. Tu fais même, je n'ai pas dit à Daddy, tu vas voir maintenant, Daddy va venir. Nous nous attachons à des choses qui ne nous sont d'aucune valeur spirituelle. Le chemin que ton cœur suit aujourd'hui ne va pas changer après ta mort. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner après la mort. Non, mais Jésus-Christ leur dit que c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs que Dieu a préféré envoyer son serviteur vers une femme païenne. Dans tout Israël, il n'a pas trouvé une seule personne qui puisse accueillir son serviteur. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui est en train de parler? Qui a parlé? Qui a parlé ici? Non, elle a dit, qui a parlé? Qui a parlé? Elle a dit, quelqu'un d'autre a parlé à côté. Tu as dit que quoi? Que qui baba trop? Laissez-la. Elle est dans l'esprit. Moi, je ne me plains pas. Vous vous plaignez pourquoi? C'est aussi ma voisine. Et non, ça va. Les autres n'ont pas parlé. C'est ma voisine, c'est notre voisine. Vous vous plaignez pourquoi? Quelqu'un dit, son problème c'est quoi? Si ça ne va pas, toi déménage. Pourquoi tu veux qu'elle déménage? Toi, tu peux déménager. Non, quelqu'un n'a pas le programme de déménager. Tu l'imposes de déménager. Mais toi, comme tu as les prédispositions à déménager, déménage. Tu vas prendre ton problème, tu mets sur quelqu'un. Quelqu'un dit, c'est que la parole m'a pénétré. Wow, je suis touché. Le message, il me finit. Tu dis qu'il déménage. Non, non. Amen. Ouais, vous avez des faux problèmes. C'est de ça que je parle. Ta soeur dit, c'est un problème. Tu lui dis qu'il faut qu'elle déménage. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Les cœurs ne sont pas bons. Elle ne t'a pas adressé une parole. Elle ne t'a pas dit bonjour ou bonsoir. Elle n'a pas dit recule, pose-toi. Elle dit seulement, tu en fais un problème. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé son prophète vers les femmes veuves d'Israël. Parce qu'aucune d'elles n'allait l'accueillir. Aucune d'elles n'aurait accepté partager son pain avec lui. Et c'est des femmes qui connaissaient le prophète Élie. Des personnes qui ont été bénies par son ministère. Des femmes pour qui il a prié, à qui il a rendu ministère. Mais ces femmes qui le connaissaient n'étaient pas prêtes à lui venir en aide au jour de sa détresse. Mais c'est une femme qui ne l'avait jamais connue, qui ne l'avait jamais vue, qui n'avait jamais entendu parler de lui. Une étrangère qui ne connaissait pas Dieu, qui appartenait à la catégorie que nous, les enfants de Dieu, nous appelons des païens. C'est sa justice qui a surpassé celle de toutes les femmes veuves, de tout le peuple de Dieu. Parfois, ce que Jésus voulait nous enseigner, c'est que ceux que nous condamnons, nous appelons païens, prostitués là, ils vont entrer au ciel, on va caler. Ton excès de justice va te faire caler. Nous passons le temps à juger les autres, juger leur vie, tandis que les nôtres pourrissent. Qui te jugera? Les asticots sont déjà sur ta vie. Plein de calomnies, plein de jalousie, toi qui te juges. Mais nous jugeons les autres. Nous nous narguons,
de leur vie, nous disons, oh non, on est juste, vraiment on a Dieu, nous sommes du peuple de Dieu. Mais Dieu prend son serviteur, il va le confier à une païenne. Et la païenne l'accueille. Elle fait quelque chose que personne en Israël n'aurait fait. Elle prend son dernier pain qui restait elle et son fils. Après quoi il mourait. Et elle fait le gâteau. Le prophète lui dit, fais-moi le gâteau avec. Elle dit que c'est le dernier gâteau. C'est tout ce qui me reste. Oh Maliki Wanao. C'est tout ce qui me reste. Après ça, on va mourir. Dès que le gâteau se finit, on n'a plus rien. Le prophète dit que j'ai compris, mais quand même, fais vite. Fais ça vite, pardon. Et elle fait, elle prend, elle fait le gâteau. Et elle vient, elle met devant lui, elle veut couper sa part. Il dit non, coupe, je sais pas. Et elle avait son petit garçon. Et le. Mes amis, écoutez-moi bien. Dieu n'a jamais béni une personne sans avoir éprouvé son cœur. Jamais. Aucune bénédiction ne vient sans épreuve. L'épreuve vient pour voir si ton cœur est pur ou s'il est mauvais, s'il est méchant ou s'il est bon. Dieu ne marche pas avec les méchants. N'oubliez pas ça. Dieu ne peut pas te bénir. Jésus-Christ, vous voyez, nous lisons la Bible sans la comprendre. Jésus a dit des choses. Moi, quand je lis la Bible, elle m'avertit sur beaucoup de choses. Ça fait que lorsque Dieu vient, je comprends, il y a des gens parmi vous ici qui ne peuvent pas moi-même. Ils ne peuvent pas me donner leur dernier gâteau ici, sur la montagne. Je ne sais pas si une personne peut le faire. Parmi vous ici, ce même esprit est encore vivant dans l'église, dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens ici qui ont fait 5 ans, 6 ans, 8 ans dans le ministère ici. Ils ne m'ont jamais acheté les babouches. Va voir les mèches qu'elles mettent sur la tête. Les brésiliennes, les malaisiennes. Moi, j'aime les turquoises. Je ne sais pas si ça existe. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous disons, oh, les femmes veulent là, ah, c'est des méchantes. Hein. Oh, toi, ton prophète, je suis ton Élie. Tu es là des années. Tu m'as déjà donné ton dernier gâteau. Toi-même, c'est le gâteau au chocolat. Et je voyageais avec mes fils. Et on arrivait dans une boutique là. Et il fallait acheter. Bon, quand ils voyaient avec eux, et ils aiment trop voyager avec moi. Parce que quand on arrive, je dis, prenez ce que vous voulez. Ils ne m'ont jamais dit, papa, prenez ce que vous voulez. Chacun a son âge, la puissance. Il met ça dans la culotte qui est sous le pantalon. Chacun attend, papa. Et les gens pensent que je suis bête. Je ne suis pas bête, mes amis. Je m'enrichis. J'investis dans le royaume. Je demande, ok, tu veux quoi? Il dit, je veux le. C'était le pain. C'est le pain choco. Pain choco. Aïe, aïe, aïe. Pain choco. Chaque fois qu'on voyage, moi, je prends le croissant. Tu veux combien? Tu veux le pain choco? Tu veux quoi? Pain choco? Un pain choco, c'était où? C'est 1500, je crois. Je lui demande que, tu veux combien? Il me dit 4. Je lui ai dit combien? Et il ne dit pas 4 avec la bouche. Il la compare avec le mouvement de la main. 4. Parce que je peux ne pas bien entendre. La main, quand même, ne va pas tromper. Je lui ai dit que 4 c'est petit. Ramasse toute la boutique, on part avec. Et on lui a servi ses 4. Et il a mangé. L'autre voyage encore. Je demande, tu veux combien? Il dit non, papa. J'ai dit, moi, 4. On a acheté ses 4. Et j'ai goûté moi-même un. Parce que j'ai demandé que pourquoi lui, il aime trop ça. J'ai goûté, mes amis, ça a dépassé le croissant. J'ai mangé 2. J'ai mangé 2 dedans. Je lui ai dit, reste avec 4 croissants, les 2 qui restent là, débrouille-toi. Bien-aimé, il y a des gens parmi nous ici. Si la même histoire se répète, Dieu envoie un prophète qu'ils connaissent, qui leur demande, donne-moi ton dernier gâteau. Ils vont échouer. Ils ne réussiront pas. Je ne sais pas si une personne sur cette montagne réussira. Dieu nous a envoyé Élie plusieurs fois. Nous l'avons rejeté. Qui peut prendre ses dernières économies à cause d'un bien-aimé qui est dans un besoin? Et il sacrifie sa vie, il sacrifie la ration de sa famille, il sacrifie l'argent des études de ses enfants, il sacrifie l'argent du bailleur, parce qu'un frère est en détresse, il prend son dernier gâteau, ses dernières économies, il lui donne. Regardez, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie, si, vaut mieux la comprendre.
Mais il y a des gens qui mourront sans avoir compris la vie. Un homme de Dieu est venu me voir. Quand il est venu me voir, il avait un problème très sérieux. Et on devait le mettre en prison. Et il fallait une énorme somme d'argent. Dans ma chambre, j'avais les économies de ma famille. J'avais caché ça bien. Je n'ai pas dit à Momi. J'ai pris l'argent. Je me suis mis à genoux devant mon lit dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, tu sais que ça, ce sont les économies de ma maison. Comme je donne ça à ton serviteur pour qu'il s'en sorte, tu remplaceras. Tu me béniras. J'ai pris. Quand je lui ai remis ça, il s'est mis à pleurer. Mais ce bien-aimé, quand j'étais frappé par le malheur, il n'est même pas venu. Il ne m'a même pas écrit condoléances. Et ce n'était pas la première fois. Un jour, on l'a arrêté. J'ai dit à ma fille, une de mes filles qui est ici, à l'autre encore, je lui ai dit, aujourd'hui, moi j'étais sorti, hein, je suis calé en route dans la voiture. J'ai aussi dit à mes filles, personne de vous ne rentre chez elle jusqu'à ce qu'on ait touché toutes les autorités judiciaires de ce pays pour qu'on le libère. On s'est battu toute la journée là. Chacun a appelé ses relations. Voilà comment on a fait pam jusqu'à arriver au 7. On a touché quelqu'un qui a appelé le 7, qu'on le libère. Nous nous sommes battus. Ma fille, je lui donnais une avocate. Prends. L'avocate montait, descendait. On l'a libérée. Il n'avait pas pensé que je peux donner même 2000 à l'avocate. Pour tout ce qu'il a. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, il est obligé de fuir. Vous ne faites pas du bien parce que vous possédez beaucoup, mes amis. Si tu ne peux pas donner dans le peu que tu as, tu ne donneras pas quand tu auras beaucoup. Lorsque quelqu'un est libéral, ça commence par les petites choses. Tant que vous ne pouvez pas venir au secours d'une personne en détresse, Dieu ne vous viendra jamais en aide dans votre détresse. C'est une loi. Celui qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. C'est une loi. Ces femmes, malgré le bien qu'Élie leur avait fait, aucune d'elles n'était capable d'accepter. Vous partez où? Hein? Quelle chose? Vous vous asseyez d'abord. Ce qu'il fait là, c'est plus important. Asseyez-vous. Comment vous pouvez descendre lorsqu'on donne une parole comme celle-ci pour porter les choses? Pardon? Que Dieu vous aide, mes amis. Comment, mes amis? Comment Dieu a-t-il pris son serviteur pour l'amener ailleurs? Demande à Dieu de t'apprendre. Vous vous imaginez qu'un inconnu arrive chez vous? Cette femme accueillait un inconnu. Celles qui le connaissaient ont refusé de l'accueillir. Et si vous regardez le rapport, le ratio comparatif entre les deux, hein? Est-ce que vous comprenez? Normalement, celles qui devaient accepter Élie, l'accueillir, c'était qui? Les veuves d'Israël, parce que c'est la puissance de Dieu qui agissait en lui. Mais malgré les signes et les prodiges, aucune d'elles n'a accepté de dépenser 5 francs pour l'homme de Dieu. Parfois, ceux sur qui vous comptez le plus sont ceux qui vous abandonneront au jour du malheur. C'est ça la vérité. Mais c'est une étrangère qui ne connaissait même pas cet homme qui a accepté. Mes amis, tant que vous ne faites pas le bien autour de vous, vous ne recevrez pas le bien de Dieu. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à celui qui l'a créé. Et dit donner et il vous sera donné. Pas seulement donner de ton argent, de ton vêtement, de tout, mais donner de l'amour que tu peux donner. Assister quelqu'un lorsqu'il a. L'église aujourd'hui est devenue un endroit plus méchant que le monde.
Et c'est ce que Jésus disait aux Juifs. Vous êtes plus méchants que ceux qui ne connaissent pas Dieu. La bonté n'a pas été trouvée parmi les enfants de Dieu, mais parmi les païens. Je crains que ce soit encore une réalité aujourd'hui. L'église n'a pas de miséricorde. Quelqu'un est endeuillé, il a abandonné. Regardez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, j'ai eu à le dire. Et je pense que c'est une belle occasion pour redire ça. Lorsque mamie est morte, je n'ai reçu d'aide d'aucune de nos églises. Je parle d'abord de nos propres églises, Réma. Je parle d'ici. Hein. C'est à l'église où Dieu m'a fait superviseur général. Je n'ai pas reçu une église, un pasteur d'une de nos églises qui vienne dire, ok papa, nous avons cotisé. Notre mère n'est plus là. Voici ce que nous avons décidé de donner. Je n'ai reçu 5 francs. De tous mes pasteurs, je parle de ceux qui sont salariés. Je n'ai pas reçu un pasteur qui est venu me voir pour dire, papa, oh, maman est partie. Au revoir. Mon salaire ce mois, je lui donne ça. C'est ça le dernier gâteau, n'est-ce pas? Personne n'a fait ça. Personne ne m'a assisté. Dans le ministère où je suis, personne. De tous mes amis, ceux qui se disent être mes amis, un seul m'a aidé. Un seul. Il m'a accompagné jusqu'à la pierre tombale. On a vu, il a enlevé 4 millions, il a payé. Le seul, celle qu'on appelait maman, devant qui on se mettait à genoux, on disait qu'il n'y a pas comme elle. Personne! C'est pour ça que je dis que la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. C'est ça la vérité. L'administrateur général est pour m'apporter la contribution de tous les ouvriers de Réma. 500 000 francs. Si j'ai bonne mémoire. Et je lui ai dit, donne-moi la liste des contributions personnelles. Je lui vois ce que chacun a donné. J'ai des pasteurs qui touchent 300 000, 400 000. Dans ce salaire, quelqu'un enlevait 15 000. Contribuer. L'autre enlevait 5 000 pour contribuer. L'autre 10 000. Donc c'était une longue liste qu'il avait donnée. J'ai plié le papier et l'argent, je l'ai remis. Et je n'ai pas besoin de ça. Je ne permettrai à personne d'insulter sa mémoire. J'ai porté mon deuil seul. Bon, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Et je lui ai dit à l'administrateur général, si c'était vous, vous auriez enterré votre mort. C'est ça qui est la vérité. Si ton père meurt, l'argent sortira pour l'enterrer. Si ta femme meurt, l'argent va sortir. Même si c'est où, l'argent va sortir. Tant que vous ne pouvez pas faire à autrui ce que pouvez-vous faire, vous n'avez pas encore aimé de l'amour de Christ. Tant que tu ne peux pas sacrifier ta vie pour autrui, l'amour de Christ n'est pas en toi, mes amis. Et beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause du manque d'amour. Maintenant, vous vous imaginez que quelqu'un parmi mes leaders à l'église meurt. Quelqu'un perd son parent ou sa femme ou qui. Et on attend que je contribue ou que l'église contribue. Ce n'est pas possible. Avant, dans notre ministère, lorsque tu perdais un membre de ta famille, l'église t'accompagnait sur tous les plans financiers, tout le monde. Après la mort de mon ami, j'ai banni cette loi. Maintenant, chacun se débrouille pour enterrer ses morts. Tu veux les gens qui pleurent, je vais t'envoyer les gens qui vont pleurer. Ça ne manque pas. Mais si tu attends 5 francs de l'église, que oh, prends ceci ou qu'on cotise pour toi, ça n'arrivera pas. Parce que la Bible dit, ne faites pas aux autres. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? L'église, c'est ça. Quelqu'un est malade, les gens apprennent, personne ne lui rend visite. Quelqu'un est endeuillé, c'est son problème, dans l'église. Ce manque d'amour
sera la cause que beaucoup d'enfants de Dieu aillent en enfer. Bien-aimé. Dieu a préféré aller vers les païens. Et Jésus disait à Israël, baissez le volume s'il vous plaît. Ou vous arrêtez même. Oh. Jésus-Christ dit aux Juifs, vous êtes méchants, vous réclamez juste. Oh, oh, on est pentecôtiste. Je parle en langue. Shakara baba 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 baba. Gari koki shakara shawama shawama shara baba baba. Avec un peu de piment shakata ta 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 ta. Parler en langue avec un cœur méchant ne te sauvera pas. L'apôtre Paul a dit que même si je parle la langue des hommes ou des anges, si je parle l'amour dans mon cœur, ça ne sert à rien. Aucun sans amour n'entrera dans son royaume. Tant que tu ne peux pas donner ta vie pour ton prochain, tu n'as pas Christ en toi. Du moins, pas le vrai. Tu n'as pas de Christ. Peut-être un chrétien, mais pas Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont Christ, mes bien-aimés, il y a des choses qu'ils ne supportent pas. Moi, je ne peux pas supporter voir quelqu'un mourant. Je peux lui venir en aide et je ne viens pas en aide. Mais il y a des chrétiens qui ont des cœurs plus durs que le rocher-ci. Meurs! Il t'a dit que Dieu pourvoira. La Bible dit que si un bien-aimé vient vers toi, manquant quoi manger ou quoi se vêtir, quoi se couvrir, et que tu as mangé, tu as des couvertures, et que tu lui dises, va, le Seigneur pourvoira, en quoi est-ce que tu manifestes l'amour? C'est ça les chrétiens. La méchanceté, les calomnies, les murmures, la haine, les jalousies, les compétitions. Quelqu'un assis à côté de toi, elle ne t'a jamais dit bonjour, bonsoir. Ah, regarde là. Elle est là. C'est pour ça que Dieu, Jésus dit aux Juifs que Jésus, il dit, Dieu a préféré envoyer son serviteur chez un païen et Dieu n'a pas eu tort de le faire. Cette femme, son dernier gâteau, elle a sacrifié pour un inconnu. Oh Seigneur. Jésus a dit qu'au jour du jugement, les habitants de Tyr et de Sidon, nous devancerons. Les prostituées et les voleurs, nous devancerons au ciel. Tu viendras avec ton orgueil, tu vas entrer, l'ange dit que tu pars où. Tu dis qu'il est dedans. Tu entends, descends, prends la descente là. Tu descends. Tu entends les cris là, non? Oui. Continue, va tout droit. Tu dis, que c'est pas l'enfer. Il dit que toi-même tu seras, va, mais ici là tu ne peux pas entrer. La méchanceté dans le cœur des croyants. Quelqu'un rit avec toi à l'église, mais va entendre ce qu'il dit contre toi derrière. Dès qu'il te voit, il sourit ici, il te montre ses transidents. L'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, l'intolérance parmi les enfants de Dieu. Et Dieu a envoyé cette femme, il a envoyé son prophète. Et il a dit, donne-moi ton dernier gâteau. Qui parmi vous peut donner son dernier gâteau? Je ne parle pas de Dieu d'abord, je parle de l'homme. Qui parmi vous? L'église a des besoins. Tu as un compte bancaire. Tu vas prendre un billet de 500 que le chauffeur t'avait donné. Tu l'as tellement fâché, tu l'as même insulté parce que le numéro, on ne sait pas si c'est le kobo, si c'est le naira ou c'est l'euro. C'est ça que tu prends, tu viens jeter à l'église. Tu n'es pas capable d'aller vider ton compte bancaire pour Dieu. Regardez, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous avons, je vais bénir Dieu pour les Joseph d'Arimathée, pour tous ceux qui ont assisté à la conférence Joseph d'Arimathée pour bâtir la chapelle. Nous glorifions le Seigneur parce que c'est Dieu est bon. Vous savez pourquoi je ne peux plus être pauvre dans ma vie? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris la puissance du donner. Donner au point de se vider. Qui parmi vous peut accepter que Dieu lui dise dans ton parking, tu as 6 voitures, offre tout ça. Il reste une. Qui peut faire ça? Tu as les voitures. Ah, tu ne peux pas me dire que tu peux faire. Quand tu auras, on va parler. Je te comprends, hein? Tu es sincère, hein? C'est vrai. Mais tu es sincère sans voiture. Hein? Et quand je parle de mes voitures, c'est des voitures qui coûtent énormément cher. C'est des voitures solides qui coûtent cher. Parce que
je voyage beaucoup. Tu ne vas pas acheter une carine à eux, ça va te lâcher en route. Donc il faut une voiture qui soit solide, qui soit confortable dedans. Je voyage beaucoup. Sinon, tu. Et Dieu te dit, prends ça, donne. Et parmi les voitures que j'aimais le plus, au point où je me retrouve à un niveau où, quand mon mission, j'attends qu'elle revienne. On fait les rendez-vous par rapport à la voiture. Tant que vous n'avez pas atteint ce niveau, vous ne vous en sortirez pas. Tant que ton cœur est attaché sur les biens matériels, tu ne connaîtras pas le miracle de la veuve de Sarepta. C'est pour leur méchanceté, à cause de leur avarice, leur égocentrisme, que les veuves d'Israël sont mortes de famine. Mais c'est une païenne à qui la prophétie a été donnée. Il ne manquera jamais de farine et d'huile dans cette maison. Et cette femme est devenue riche. Ce prophète était-il son prophète? Non. Appartenait-il à son peuple? Non. Jésus leur disait, c'est les étrangers qui profiteront des bénédictions de Dieu. Et ceux à qui ces bénédictions étaient prédestinées, à cause de l'incrédulité de leur cœur, n'auront pas accès à ces bénédictions. La même chose pour les lépreux. Il dit, il y avait les lépreux en Israël, au temps d'Élisée. Mais qui a cru en Élisée? Comment Dieu a-t-il abandonné les lépreux de son peuple pour aller guérir un païen? Jésus leur disait, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous bénit pas, parce que nos cœurs ne sont pas bons. Mais c'est des païens qui sont bénis, ils croient plus que nous. Et c'est vrai, nous sommes plus honorés en tant qu'hommes de Dieu parmi les païens que parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est nous critiquer. Ces oreilles m'ont regardé, c'est comme deux antennes paraboliques, je vous avais dit. Pour les lapins. C'est ça la vérité. Mais le païen, quand il te voit, il y a des nations où j'arrive, quelqu'un me demande, papa, c'est vous? Il dit, oui, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous toucher? J'ai dit, oui. Il dit, hey, c'est lui, hein? En chair, en os. Toi, quand tu me vois, bonjour, Waï. Oui. C'est comment, Waï? Oui? Quand il te salue, moi, c'est ce que tu fais, même. Même pas le père, hein? L'opère. C'est ça. La familiarité vous a tué. Le mépris vous a tué. L'habitude à l'onction, ça vous a tué. C'est ça que je vous dis souvent que Rema Yaoundé, c'est les doyens. Tu prophétises, les gars. Ok. Ok. Vas-y. Oh, il y a des endroits où dès que tu dis seulement que vous venez pour la prophétie, oui, oui, Seigneur, oui, oui, Dieu m'a choisi, Dieu m'aime, oh, Jésus, ça va me prophétiser, pour me dire plus Dieu, oh, Jésus sauvé. Mais toi, on t'appelle, viens, tu l'aides d'abord. Il va me dire encore quoi sur quelqu'un ici, là, tu sais, tu sais même vraiment, t'as dit, tu viens à l'église, tu es tranquille, t'as plein de ventes, tu viens devant. Il n'est pas fait quoi devant. C'est à cause de ça que beaucoup d'entre vous, vous mourrez dans vos péchés, dans vos maladies, et que vos maladies ne guérissent pas. Ou qu'elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. Parce que vos cœurs ne sont pas tout droits, tournés vers. Il a fait quelque chose. Il a fait boum! Maintenant, quand dit ses disciples, il dit que qui, moi? Ça montre comment il faisait avant. À chaque fois que Jésus-Christ était en danger, ses apôtres n'étaient pas là. On ne parlait même pas de Dieu. La Bible n'évoque même celui qui écrit lui-même, il esquive le sujet. Pourquoi à chaque fois où le Sauveur était en difficulté, personne ne le défendait? Pourtant, il était entouré tous les jours des 12 apôtres. Ça sert à quoi d'être entouré et accompagné? Si au jour de la détresse, tu seras abandonné. Sur la croix, ils étaient où? Les 12 n'étaient plus là. On n'en a pas parlé. Les 12 n'ont pas été là. Quand on l'a arrêté. Les 12 n'ont pas été là lorsqu'il a été trimballé de cours en cours. Les 12 n'ont pas été là pour aller revendiquer son corps. Ils auraient dit, c'est le corps de notre maître. Mais s'il faut qu'on nous tue, nous irons là-bas. C'est pas mourir. Nous mourrons.
les gars ont disparu. Et si Joseph d'Arimathée n'était pas là, Jésus aurait été enterré dans une fosse commune avec les bandits. Les apôtres l'avaient abandonné. Même quand Jésus-Christ est mort, j'ai lu attentivement la vie des apôtres, le rapport des apôtres par rapport à la mort de Jésus. Je n'ai jamais vu un verset biblique où on a dit qu'un apôtre a pleuré. C'est Marie-Madeleine qui a pleuré. C'est la mère de Christ qui a pleuré. Mais les apôtres, il n'y a aucun verset. La Bible dit même que lorsque Marie-Madeleine est allée les appeler, Pierre est venu, la Bible dit, il vit et il crut et il s'en retourna. Marie-Madeleine est restée pleurer. Mes amis, Dieu ne doit pas être pour toi le Dieu des beaux jours, le Dieu de la gloire. Quand Jésus avait le culte avec 5000 personnes, 12000 personnes, les apôtres mettaient les vêtements de fête. Et tu sais pas, c'est moi, Pierre. Moi, c'est Matthieu, hein, c'est nous ici. Oh, les gars étaient là. Mais quand c'était le jour du malheur, tant que ta loyauté n'est pas pour les beaux jours et les mauvais jours, tu ne peux rien profiter d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas. La loyauté, ce n'est pas envers les beaux jours. C'est d'abord les mauvais jours. Es-tu prêt à donner ta vie pour ton homme de Dieu? J'avais demandé à une sœur, peux-tu donner ta vie pour moi? Elle m'a dit, bon, comme j'ai des enfants là. Parce que je voulais la nommer à un poste de responsabilité. Si quelqu'un ne peut pas mourir pour la vision que Dieu m'a confiée, il n'est pas digne de marcher avec moi. Si quelqu'un dit être ton ami, au jour du malheur, il ne peut pas se mettre en danger. C'est-à-dire que vous marchez ensemble, quelqu'un se met à te donner le coup de poing, le gars disparaît, comme j'avais fait à Aïcha. Ce n'est pas un ami là-bas. Beaucoup de personnes sont attachées à Dieu pour les beaux jours. Dès que les épreuves arrivent, ils disparaissent. Dès que les problèmes arrivent, ils disparaissent. Dès que l'église a les problèmes, ils disparaissent. Dès que l'homme de Dieu est éprouvé, ils disparaissent. C'était comme ça que les apôtres étaient pour Jésus. Et je me demande comment Jésus les a supportés pendant ces 3 ans. C'est aussi pour cela que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'a pas voulu que les apôtres le voient. Il a donné cette gloire à la seule qui l'avait pleuré. Mes amis, il y a toujours une récompense dans la fidélité à Dieu. Les apôtres sont passés, Jésus était là. Il s'est rendu invisible. Il a aveuglé les apôtres. Quand Marie-Madeleine pleurait, il l'a appelé, elle a dit, Marie, Marie. Elle dit, Rabboni, mon maître à moi. Il dit, va dire à mes frères. Pourtant, ses frères étaient là. Vous pouvez leur dire que moi, voici, bon, on retrouve nous. Il les laisse rentrer. Il dit, va leur dire toi-même. C'est à toi que je donne la gloire de la résurrection. C'est à toi que je donne l'évangile de la résurrection. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine était prête à mourir pour Jésus. Plusieurs d'entre vous ici, si quelqu'un sort ici avec la Kalachnikov, fait crac, crac. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus, descendez. Ceux qui aiment Jésus, mettez-vous là, on va vous fusiller. Je suis très sûr que je vais rester seul sur la montagne ici. Les gens, pardon, vont dire que, Daddy, courage, Daddy, courage. On est ensemble, on est ensemble. Ils vont venir. Que Daddy, si on nous tue, nous tous. Il n'y aura plus d'adorateur qui va adorer le Seigneur. Laisse-nous, on descend d'abord, Daddy. Salut, mon ami là-bas. Dis-le qu'on continuerait à m'insulter parce qu'il faut les gens qui vont m'en aller. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes quand tout va bien. Je ne crois pas en ça. Non. Oh, papa, je t'aime. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi-même, je t'aime non plus. Oui. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme ou une femme jusqu'à ce que le jour du malheur arrive. C'est le malheur qui éprouve si ton amour était pur ou pas. Seigneur, je t'aime. Il n'y a pas de problème. C'est au jour du malheur que Dieu saura. Il dit, j'étais éprouvé par la faim, par la soif.
pour savoir si ton cœur serait tourné tout entier vers l'Éternel, ton Dieu. J'étais éprouvé par la faim, par la soif, pour voir, par la souffrance, pour voir si ton cœur resterait fidèle à moi. C'est l'Éternel qui le dit. Oh, je t'aime, chérie. Je t'aime, bébé. Ça, c'est zéro. Bébé de quoi? Avec 32 dents dans la bouche. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bébé. Oh, je t'aime. Oh, bébé, je t'aime. Je t'aime jusqu'à... Maintenant, lave cette tape, le bébé. J'ai osé raconter l'histoire d'une soeur ici. Elle avait son gars, son bon gars. Chérie Coco. Où c'est qu'elle noix de coco? Oh, bébé. Oh. Oh. Quoi encore? Et quand elle arrive, elle prend son du pain. Oh, il y a les filles qui disent, nous, on aime les vieux. Parce qu'ils ne dérangent pas. Je n'ai même pas honte. Ah! Et elle était bien. Après un jour, elle vient. Le gars lave, c'est la prix. Sa bouche a mangé. Bébé. Elle me dit que j'ai fait comme si je n'ai pas suivi. Elle faufilait seulement parmi les gens. Lui aussi, il vient derrière. Elle a fui. Je lui ai demandé que ce n'était plus bébé. Elle me dit que Daddy, tu pars parce que tu n'avais pas vu. Hein? Mes amis, laissez que bébé, ce n'était aucun bébé, c'est son agent qu'elle appelait bébé. C'est pas bien. Ça, c'est pas vivre. Sois vrai envers toi-même. Chérie, je t'aime. Oh mon amour. Le jour tu vas faire l'accident, on va te couper les deux pieds. So, ta femme, hein? Quelqu'un m'a chance. C'était même pas prévu. La vie de quelqu'un va se gâter maintenant. Ou bien tu épouses ta femme. Oh chérie, oh, je t'aime, oh bébé, je t'aime. Un jour l'impuissant tape l'homme. Bip. La puissance est finie. Fini, hein? La soeur commande d'avoir les jeunes. Prière, elle consultait les prophètes. Elle dit à son mari, viens non, pas au programme, on va prier sur toi. On prie, ça ne marche pas, on prophétise, ça ne marche pas. Elle dit, ok, bois le Viagra, offre de le Viagra. Elle dit, deux verres, et bois. Rien. Avec, je vais te parler. Toi-même, tu sais que j'ai supporté, non? Tu sais qu'une jeune fille de mon âge, comme ça, supporter, ce n'est pas facile. Parce que 3 ans qu'elle était supportée. Donc tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas aimé. J'étais aimé. Mais je dois refaire ma vie. Donc pardon, cherche une autre. Ton teint, tu es brune, tu es choco, tu es belle, très belle. Le gars, oh vraiment mon amour, ma chérie, tu sais, tu es la meilleure, je n'ai jamais aimé comme toi. Vraiment, tu es la reine de mon cœur. Oh, un jour l'huile verse sur ton visage. Le gars disparaît, tu appelles, il prend le téléphone. Hein. Beaucoup d'amour, c'est faux. C'est ce que les apôtres faisaient à Jésus. Or, Jésus avait gardé ça dans son cœur. Il a dit, quand je ressusciterai, vous aussi, vous ne verrez rien. Celle qui m'a aimé, celle qui a donné sa vie, Marie est restée au sépulcre. Elle a dit, rendez-moi le corps de mon Seigneur. Une femme, on va lui rendre ça, elle va faire quoi avec? Mais dit, rendez-moi le corps de mon Seigneur, si c'est vous qui l'avez pris. Les apôtres sont venus, ils ont vu, ils n'ont pas lancé d'avis de recherche. Les gars sont rentrés, continuent à manger.
Votre maître est mort. Vous mangez. Jésus avait écrit ça dans son cœur. C'est pour ça que quand il ressuscite, la première personne à qui se montre, ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas ses frères. Ce n'est pas ses soeurs. C'est une étrangère. Une ancienne prostituée. Celle que tout le monde condamnait. Ah, elle est là pour séduire l'homme de Dieu. Elle est là pour séduire le Seigneur. Ah, c'est une femme de mauvaise vie. Marie avait beaucoup souffert. Mais cette femme condamnée, son cœur était vrai devant Dieu. C'est une ancienne prostituée que Jésus se montre pour la première fois. C'est très important. Pourquoi? Elle était loyale. Elle l'aimait d'un amour vrai. Beaucoup d'entre vous, si le malheur nous arrive, moi d'ailleurs, quand j'ai vu comment on a traité mon mien, mes amis, directement, moi-même, j'ai creusé ma tombe. J'ai fait ça de mon vivant. Non, je vous dis la vérité. J'ai fait mon caveau. On a arrangé ça comme je veux que ça soit. Parce que j'ai compris que si je meurs là, même si j'ai l'argent, je ne vais pas utiliser ça pour ça. Non, j'ai compris ça. L'homme. Les apôtres qui étaient avec Jésus, à chaque fois que Jésus était dans les problèmes, il disparaissait. C'est quel genre d'amitié? Tu es mon ami, chaque fois que c'est chaud sur moi, tu disparais. Quand c'est bon, tu reviens. La Bible dit que quand c'était chaud sur Job, tous ses amis ont disparu. Même sa famille. Tout le monde est parti. Dès que la richesse est revenue, ils sont réapparus aussi. Et chacun est venu avec un lingot, un anneau d'or et un kézita pour lui offrir ça. Mon ami, il a besoin d'anneau d'or et de kézita quand il n'avait pas. Vous n'étiez pas là. Maintenant, comme il est là, tu sais que comme tu donnes un anneau, il va te remettre 3. Un kézita, il va te remettre 7. C'est dangereux lorsque les gens te font les cadeaux parce qu'ils savent qu'ils vont. Aime-moi pour rien. Aime-moi pour rien. Une fois, j'ai dit à certains des bien-aimés hommes de Dieu qui m'entourent que c'est pour ça que je me suis renfermé. Je me suis renfermé encore grave. Je leur ai dit que je préfère maintenant avoir le genre d'amis qui vient chez moi. On finit de causer, ne me pose aucun problème. Et on dit au revoir. Même pas l'argent taxi. Je suis fatigué de toujours prendre les gens en charge. C'est quel genre d'amitié? Et vous ne prenez jamais en charge. Donne-moi même pas le poids. C'est vous là, tu prends en charge. C'est dangereux, mes amis. Et laissez-moi vous dire une chose. C'est une malédiction de toujours recevoir sans jamais donner. Qu'on ne vous mente pas. Vous qui voulez être riche. C'est une malédiction. Lorsque tu reçois toujours, tu ne donnes jamais. Tu ne seras jamais riche. Parce que celui qui reçoit, consomme, il ne sème pas. Il mange une moisson. Mais celui qui donne, sème. Tu me donnes maintenant, je mange cette mangue là. C'est fini. Elle ne deviendra jamais manguier. Mais si j'ai une pépinière, avec le temps, ça deviendra de manguier. Apprenez à s'aimer. Apprenez à donner. Parce que tu donnes ou pas, un jour tu vas quitter tout ça. Tu vas laisser tout ça, mes amis. Donc, vaut mieux investir. La loyauté doit devenir importante. Je parle aux fils des prophètes. Ne soyez pas toujours là quand on multiplie le pain. J'ai des fils. Hein. À l'époque, j'avais ma garde. Les 12 apôtres me rappellent ma garde à l'époque. Ma garde est rapprochée. Très nerveuse. Dangereuse. On allait à Ibolova. Dernièrement, on allait à Kribi d'abord. Les gars m'ont sorti une piche là-bas. C'est sur Facebook. J'ai dit qu'on supprime la vidéo là. Je regarde la vidéo. Je vois les gars du corps en route. Sur l'axe lourd. Hein? Elle est noire. On est arrivé à Ibolova. Quand j'entre dans la voiture. Non, j'ai fini le culte d'abord. Les gars ne rient pas.
Ça, c'était mes 12 apôtres là-bas. Papa, attendez d'abord, attendez. On sécurise. Allez, papa. Go. Si. On dit plus vite. Je cherche le danger, je ne vois pas le danger. Mais quand c'est la sécurité, doit me soumettre. Non, c'est me soumettre. On arrive à la situation. Oh! Hey! Hey! Il tape ta voiture. Oh! Arrête-toi. Je leur dis que c'est la roue de ma mère. J'ai continué comme sur la roue aussi. On arrive. Bam! On est dans la voiture. Papa, on était vite. Je tire la portière, c'est bloqué. Lui-même, il t'attend, papa. Il tient encore. Il dit, ah, la clé est où? Il commence à chamailler. Ah. Mais je t'avais dit de prendre, non? L'autre dit que, ah, hier, c'est moi qui ai pris. Aujourd'hui, c'est toi qui devais prendre. Maintenant, les gars, vraiment, tous maintenant partent pour chercher à Calégui. Ils me laissent seul. Hein. Je me tiens. Je dis que Seigneur, il n'y a que toi maintenant. Alors, me voici avec toi seul. Après, ils reviennent. Oh, papa, excusez-nous. Ils me poussent dans la voiture. Genre, pom, je mets la ceinture. On dit, on est dans l'hôtel, les gars descendent, ils courent. Oh, oh, oh. Pousse les gens, comme si c'était mon hôtel que j'ai construit. Même si c'était mon hôtel. Hey, oh, oh. Papa, c'est bon, descendez. Vite, vite, papa, courez. Moi aussi, je... Les gens sont autour. Les gens appellent au téléphone, il y a un film qu'on a tourné. On tourne le scénario aussi. Les gars étaient convaincus que c'est le film qu'on a tourné. Et pour la première fois, en fait, notre ville, quand même, il y a le cinéma qu'on fait. Ah, vraiment, Ebola va être béni. On arrête la porte. La clé. Qui a la clé? Papa, vous n'avez pas la clé? J'ai dit non, c'était sur la table. Oh, ouais! Tous encore sortent. Ils me laissent maintenant avec les gens de l'hôtel. Les gens à l'hôtel me regardent, moi aussi je regarde. Non! S'il fallait me taper, on allait me taper. La gare vient trouver qu'on m'a bien cassé les bras et les pieds. Donc, bien aimé, ça sert à quoi? Les choses, aujourd'hui c'est bon, le jour du malheur, vous m'abandonnez tout ça. C'est comme ça, certains enfants de Dieu. Nous sommes avec Dieu quand c'est bon. Dès que le mariage ne vient plus, depuis là, la guérison ne vient pas. La solution au problème n'est pas en train de venir. Disparition. Tu rentres dans ta vie de péché. Qui aimera Dieu de manière inconditionnelle? Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Je n'aime pas Dieu pour l'argent. Je n'aime pas Dieu pour le matériel. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie sans 5 francs. Fidèle et loyal au Seigneur. Je suis prêt à revivre ça. Mon amour pour Christ est original. Original. C'est pas pour quelque chose. Les gens nous voient. Attendez, mets le menton d'abord. J'ai touché quelqu'un. Hein? T'as reçu, non? Hein? Donne. Aïcha cherche le problème. Amen. Oui, c'est mieux comme ça.
Donc, maman, quand je vous vois à cet âge aimer Jésus, je suis touché. Parce que vous ne cherchez pas Dieu pour le mariage. C'est pour le mariage. Ce sont 5 ans bientôt le 11 mars. Heureux ceux qui servent Dieu pour rien. Ceux qui l'aiment pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Heureux ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Je parle à la jeunesse. Des ambitions sales. Je veux voyager. Vous savez ce que voyager? Allez, mon ami. Tu es jamais allé en Bénin. Nous, on est allé là-bas. Demande-moi que c'est comment là-bas, je te raconte. Hein? La plupart de vos bien-aimés qui sont là-bas mendient. Ils souffrent. La plupart sur 10 des femmes mariées en Bénin que j'ai reçues, 9, leur femme, leur mari, qu'ils aimaient leur blanc, a arraché leur passeport, porté plainte contre elles, j'étais dehors. Elles sont chez les cousines et on les maltraite là-bas. Sur 10 que j'ai reçues, 9 pleuraient qu'elles veulent revenir au Cameroun. Mbeng, ce n'est pas un paradis, c'est un enfer. Mbeng, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas un homme. Et de surcroît, si tu es noir, sache que tu es d'abord disqualifié en Mbeng. D'abord, ta couleur de peau, d'abord, c'est un sérieux problème. Donc, il te faut l'argent. C'est seul l'argent qui peut arranger là-bas. Les blancs viennent vous tromper ici. Oh chérie, bébé, oh, les blancs sont doux. Qui vous a dit? Qui t'a menti? C'est qui? C'est ta grand-mère ou qui? Oh, les blancs savent aimer. Qui vous a dit ça? Les blancs savent aimer et ils savent aussi haïr. Quand le blanc dit qu'il est ton ennemi, mon ami, il va t'insulter jusqu'au parti intime de ta mère, de ton père. Il s'en fout. Et il va te montrer que tu es chez lui. Ceux qui veulent partir en Bénin, bon voyage. Go, partez. On vous attend ici. Bénin, mes amis, c'est la souffrance. J'ai dit une chose. Réussis ici. Tu pars en Bénin, fais quoi? Tu pars chercher quoi en Bénin? Hein? Chercher la vie. Ici, il y a la mort. Hein? Donc, non, c'est la mort qu'on a trouvée ici. Si tu ne réussis pas ici, ce n'est pas en Bénin que tu vas réussir. À moins que tu partes te prostituer. Si tu pars là-bas à la sueur de ton front, tu auras le problème. Sauf si tu pars à la sueur de tes fesses. Non, non, excusez-moi, vous savez que c'est la vérité. On ne peut pas, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie ici. Il y a des gens, tu pars là-bas, c'est avec le chien que tu vas aller coucher. Tu vas faire les pornographies. Et les gens sont résolus. Il y a des filles ici, elles quittent, elles sont d'accord pour ça. Elles partent intentionnellement, juste à cause de l'argent, mon ami. Tu peux devenir une bête sexuelle, un objet sexuel. Ta dignité est où? Qu'est-ce que tu penses de Dieu qui t'a créé? Je préfère rester sans rien manger en gardant ma dignité que d'aller devenir un sous-homme dans une société qui ne craint pas Dieu. Pour l'argent, vous êtes prête à tout. Prête à tout, hein? C'est une honte. Tu vends ton âme au diable. Pour quel argent même? La main chaude pour les hommes. Et tu reviens, tu portes les couches. Tu meurs de façon misérable. Leur fin est toujours malheureuse. Honorer Dieu. La pauvreté ne doit jamais t'éloigner de ta foi. Sois fidèle à Dieu. Vaut mieux mourir sans rien et avoir la vie éternelle que d'avoir un bain et partir en enfer après. Quel bain même que tu auras? Les mbenguistes cherchent leur vie ici. C'est nous qui les nourrissons. Vous, vous partez là-bas, chez les voleurs. Quand je partais en Allemagne, l'ambassadeur il m'écrit que, oh oui, c'est vrai que vous possédez des biens matériels considérables, mais dans le contexte politique actuel, on pense que vous partez pour ne pas revenir. J'ai répondu que moi, je lui ai écrit que, monsieur l'ambassadeur, moi, je vais caler chez vous. Il y a quoi là-bas? Je gueulais. Il y a même quoi là-bas? Vous avez quoi? Nous n'allons plus. Vous prenez les choses chez nous et vous pensez, je vais aller faire quoi là-bas? Il y a le manioc là-bas. Vous mangez le gombo là-bas. Et s'il y a le tasba et le gogoro là-bas? Vous faites le héros là-bas. Tout est artificiel chez vous.
Nous, on est dans le naturel. Je lui ai dit dans ma lettre que je ne vous envie en rien et pour rien au monde. Je ne peux aller habiter en Mbé. Jamais de la vie. Que Dieu m'en préserve. J'ai envoyé. Tu veux la guerre? On te donne la guerre. Après, ils m'ont répondu. Ils m'ont appelé. Quel prophète, vous voulez toujours le visa? Il a dit oui, non. Ils m'ont dit, venez prendre. Non, sincèrement, je vous dis la vérité, mes amis. Si tu ne réussis pas au Cameroun, tu peux réussir ici, dans le pays ici. Tes soeurs qui réussissent, tu marches à pied. Tu vois une fille comme toi. Elle est dans sa corolle. Le couple de femmes là, c'est quoi? Yaris. Hey! Dans sa Toyota Yaris. Nya nya. Elle a climatisé. Elle met ses binocles noirs. Elle a deux têtes. Les hommes, celles qui se prostituent. Je parle de celles qui se battent, qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Tu penses, toi aussi, tu ne peux pas. La richesse, ce n'est pas la sorcellerie, mes amis. C'est une idée. C'est se battre. Et à cause des biens matériels, beaucoup d'enfants de Dieu rétrogradent. Oh Seigneur, donne-moi le mari. Et dans vos sujets de prière pour le mariage, il n'y a jamais que ce soit un serviteur de Dieu. Seigneur, donne-moi, même si c'est sataniste, pourvu que j'ai mon argent. C'est ça les enfants de Dieu d'aujourd'hui, les filles de l'église aujourd'hui, c'est ça. Oh, je vais épouser. Et les chrétiens qui se marient avec les non-croyants, la Bible interdit formellement le mariage entre les croyants et les non-croyants, mes amis. Toi qui vas te marier avec les non-croyants, tu pèches contre l'Éternel. C'est l'une des lois fondamentales du christianisme. La Bible dit qu'il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous ne priez même plus que Seigneur, donne-moi un mari dans le Seigneur, un blanc dans le Seigneur. Seigneur, qu'il soit dedans ou hors, ce n'est pas important, donne-moi le mari. Je souffre déjà trop, la pauvreté va tuer quelqu'un, la famine va tuer ma famille. Non, mes amis, pour rien au monde, tu ne dois hypothéquer ta foi. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, c'est comme ça que moi, on nous a formés, c'est comme ça qu'on s'est appris Christ. Je ne peux pas, pour rien, pour personne, corrompre ma foi. Ceux qui habitent avec moi, ils le savent. En ce qui concerne les choses spirituelles, j'ai une rigueur contre moi-même, envers moi-même, qui est terrible. Moi, tu ne peux pas arriver chez moi, tu m'apportes, oh, on va se promener, oh, un jour de réunion, oh, je suis venu te rendre visite. Mon ami, suis-moi, on va à l'église. Mon beau-frère est venu tout à l'heure dans la maison, il m'a trouvé, j'étais en train de méditer. Oh, il y a des problèmes, j'ai dit que, grand, je suis devant le Seigneur, je médite. Il m'a dit, ah, ok, c'est ça. Si c'est toi, tu mets de côté d'abord. Tu entres dans les causeries. Non, mes amis, ton dernier gâteau est où? Tu as combien dans ton compte bancaire? Tu as combien? Zéro, hein? Tu auras. Tu as vidé. Qui a déjà donné son dernier gâteau à quelqu'un? Pas à Dieu d'abord, à quelqu'un. Amen. Son dernier gâteau, oui. Qui a déjà offert la chose la plus précieuse de sa vie à quelqu'un? Levez la main, je vois. C'était quand? Puisque je suis avec vous depuis 5 ans, je n'ai jamais rien reçu. Aberre-toi. Hein? Il y a les gens qui ont le terrain. L'église, il ne peut pas enlever que voici 100 mètres carrés, c'est pour l'église. Tu vas mourir avec. Ça va rester. C'est ton ennemi là qui va venir manger. Tes enfants n'auront rien sur ça. C'est ça la vérité. Mes amis, tout ce qui est physique, tu vas partir laisser ça, que tu le veux ou pas. En commençant par ton corps. Ton corps qu'aujourd'hui on te parle. Tu m'as bien regardé. Tu me regardes. Tu m'as bien regardé. On te regarde bien pour partir avec. C'est l'orgueil et c'est l'ignorance. Un homme qui a vu Dieu ne peut pas être orgueilleux. Je vous dis la vérité, tu ne peux pas.
Parce que tu comprends que la vie de l'homme, c'est zéro. C'est rien, non, maman? C'est rien. On en promenade. Maman, tu as parlé, c'est toi qui as prêché. Donc, à partir d'aujourd'hui, sois loyal et fais du bien. Que rien ne soit plus précieux dans ta vie que Dieu. Ne commets jamais l'erreur que Dieu te demande de faire du bien à quelqu'un. Tu refuses parce que la chose là t'est précieuse. Soyez prêts. Avant l'élévation, avant l'équipement divin, il y a d'abord un dépouillement divin. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué. Avant que Dieu te bénisse, il mettra d'abord un démuni à côté de toi. Ce qui tu dois te vider de ce que tu possèdes de précieux. Alors Dieu viendra t'habiller. Aujourd'hui, quand je regarde, que Dieu nous aide, qu'il nous aide tous sur cette montagne. Donc, je vais finir avec ceci. Disons à Dieu sur cette montagne, Seigneur, vraiment, tu ne peux pas envoyer Élie à Sarepta quand je suis en Israël. Je ne peux pas être en Israël et mourir de ma lèpre. Est-ce qu'on peut changer ça? Qui? Dieu peut compter sur qui? Hein? Sur qui? Elle a dit que le Seigneur ne peut pas compter sur elle. Mettons debout, nous allons prier. À chaque fois où le Seigneur a voulu que tu fasses un sacrifice et que tu ne l'as pas fait, s'il te plaît, commence à demander pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. À chaque fois que tu allais faire du bien, mais tu ne l'as pas fait. À chaque fois que tu as vu quelqu'un dans le besoin, tu ne l'as pas aidé. Commence à demander pardon au Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Jésus, oh, Jésus, oh, sans toi. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Oh, 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 oh. Seigneur, voici ma pauvre vie. Je te donne ma vie. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Seigneur, voici ma vie. Tu connais ma vie. Jésus, Jésus, oh, oh. Sans toi, il n'y a rien. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour chaque fois, nous avons refusé de faire le bien. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, chaque fois que j'ai manqué à mon devoir de chrétien, d'enfant de Dieu, je te demande pardon, Père. Que ton sang précieux me lave. Lave mon frère et ma soeur, Seigneur. Pardonne cette iniquité à tes serviteurs. Sur cette montagne, Seigneur. De grâce, Jésus. De grâce, Seigneur. De grâce, Père. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. À chaque fois, nous avons refusé de secourir ta maison ou notre prochain. Seigneur, voici ma pauvre vie. Je te la donne, accepte-la. Oh, 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 oh. Sans toi, il n'y a rien. Jésus, voici ma vie. Tu connais ma vie. Eh, 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 eh. Sans toi, il n'y a rien. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus.
Au sommet de cette montagne, je me lève contre tout plan de Satan contre mon année 2022. Tout projet de mes ennemis, Seigneur, je les annule avant le 1er janvier. Ouvre la bouche et commence à annuler tout projet sur ton année 2022. Oh Seigneur, que mon année soit sanctifiée. Seigneur, voici ma vie. Tu connais toute ma vie. Oh, oh, oh. Seigneur, voici ma vie. Mes problèmes, mes limites, tu les connais, aide-moi. Seigneur, voici ma vie, je te donne toute ma vie. Sans toi. Jésus, voici ma vie, je te donne ma vie. Oh 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 oh. Zamari wa inna belasi filimanta udalas. La kremi wa inna hello mita udali voloza. Subrami talifa wa anna morazen. Ça clove, ça clove, ça clove, ça clove, ça clove. Jésus, voici ma vie, ma vie, ma vie. Pauvre vie à Jésus. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Lève ta main s'il te plaît, prions avec autorité. Dis mon Père et mon Jésus, tout rassemblement de mes ennemis en 2022 ne tiendra point. Au nom souverain de Jésus, où deux ou trois se rassembleront contre ma vie, que ton tonnerre les disperse. Ouvre la bouche et proclame cette prophétie sur ton année 2022. Varo surume zarome usberavo matero selo suru metera Adonai sero Adonai torome ora me volevo dello. E de varo serô será. Osperamlo, matevo soro melo será.
Et tes barons serrés m'agacent. Es por a mí me tiro será solo me me tira mi mole sore ir sore jaro me me tira mi mole oh ya para mí na tera wa anna hestami kalafata manita udala samanta udalo faris remi in abenata wa anna holomi soy remi la grasmen abenas wa inamorazo au nom de Jésus Christ on a prié donne-moi amen comme le tonnerre dis mon père et mon Dieu tout ce que 2021 a retenu de mes bénédictions je récupère cela. Je récupère cela. Je n'entre pas en 2022 sans toute la prophétie de 2021. Tout ce que le diable a retenu dans ma vie, Seigneur, je récupère cela maintenant. Que ce soit ma santé, mon travail, mon mariage, mes projets, mes affaires, ouvre la bouche et commence à prier à votre autorité. Et Jero Semaro et Jérémy Seram Zaro Ferro et Jérémy Maro et Jérémy Maro Jérémélo. Ospera mir, será mi molego. Ospera mir, seré jaro melo. Ejero, será mi molego. Vajero melo, seró fela. Será mi molego, será mi morevo. Ejera mi valo, será mi molevo lego seré. Exurame, jere, exurame, jere, sure melo. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Dis mon Père et mon Seigneur. Donne-moi d'être bien entouré. Toute personne dans ma vie qui n'est pas une source de bénédiction pour moi, éloigne-la de ma vie et entoure-moi des hommes et des femmes qui vont m'aider à accomplir ma destinée. Ouvre ta bouche et fais cette prière à votre autorité. Jeremir, Jaro, Jeremir, Jaro, Soro Melo. Osperavo, Yoklami Molego. Osperavo, Jere, Sago Melo. Ejevo, Surami Molego. Majero sera bo belo sera, sera mi molego, suru mi molevo, ajera mi malo, sura mi molevo tifari, sura mi alumelo, oh. Oh,
Jésus, on a prié. Nous allons nous élever contre toute pratique de sorcellerie, contre nos vies et nos familles, contre nos affaires, que ce soit venant de la famille ou hors de la famille. Seigneur, qu'une grande confusion réside parmi les sorciers. Que 2022 soit l'année, c'est-à-dire la plus laide de leur vie. Qu'ils soient punis du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022. Que leur plan échoue de A à Z. Qu'ils tombent à gauche et qu'ils tombent à droite. Qu'ils tombent sur leur dos et qu'ils tombent sur leur ventre. Seigneur, venge-nous de la sorcellerie. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus. Et Jevaro sera mes aromes. Gosperavo, ma Jero se lo sure. Jevalo sera Adonai. Sero, sero, Yesoro, sera amore. Espérame, cero, ma café. Oh, espéramlo, me tiram, cero, surumi, me tiram, mi mole. Adona, cero, soro, me laje, cera, mi mole, bojelo. Jésus, on a prié. Donne-moi un amen meilleur que celui-ci. Nous allons prier que Dieu fasse de nous des personnes meilleures. 2022, soyons nous-mêmes en version meilleure, en version améliorée. Tu vas dire, Seigneur, ôte dans ma vie tout ce qui fait de moi une mauvaise personne. Tout ce qui m'empêche de te plaire dans mon caractère, mon comportement, ma façon de parler, ma façon d'agir. Dis, mon Père, je prie au nom de Jésus. Toute sémence de péché, de mauvais caractère dans ma vie, toute mauvaise sémence dans mon caractère, mon comportement, ma façon de parler, dans ma conduite, ô Dieu, ôte cette sémence de ma vie. Fais de moi une personne meilleure que ta sainteté, ta justice, ta vérité, ton intégrité soit imprimantée en moi. Ouvre la bouche et parle sincèrement à Jésus. Mi mole zora, prospera mi mole msere, esora mi mole mlogevaro, dasura mi mole mleivo, echero, dasure melo, esera mi mole mseri, dasura
mi molem sovaro Ejera mi molem lehina Basara mi molem selevaro Amseram lolam Nengote imo Estro mi fezaro Jevo Gasura mi, wa dres menad, wa anna baraki, lora mi anna hestoni. Au nom de Jésus, on a prié. Lève ta main vers le ciel. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus-Christ, je renonce à la maladie. Toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de la croix, je vous domine. Je confesse, 2022, mon corps n'est pas le temple des maladies. Quel que soit le nom de cette maladie, je la bannis de mon corps. J'appelle la santé, j'appelle la vie, j'appelle la force, j'appelle l'embonpoint. Dans le nom puissant de Jésus, maladie, maladie, je vous interdis de toucher à mon corps. Vous maladie qui habitiez dans mon corps, au nom de Jésus, avant le coucher du soleil de cette journée-ci, vous partez de mon corps et vous laissez mon corps en santé, bien sain, au nom de Jésus-Christ. Père, à cause de ma présence sur cette montagne, toi, mort précoce, je te commande, quitte ma vie, quitte ma famille, quitte mes relations, quitte mes projets, quitte mes affaires, quitte mon business, quitte mon commerce, au nom souverain de Jésus. Je déclare, personne ne mourra de façon précoce dans ma famille. Je ne perdrai aucune bénédiction à cause de la mort précoce. Au nom de Jésus, je me tiens sur cette montagne et je prophétise sur 2022. Tu seras une année de prospérité. Prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité sanitaire, prospérité spirituelle, prospérité ministérielle, prospérité dans mes projets, prospérité dans ma relation avec Jésus. Au nom de Jésus, je confesse que mon corps est le temple du Saint-Esprit et le péché sous toutes ses formes ne souillera point mon corps, ni mon âme, ni mon esprit. Que les anges de l'Éternel campent autour de ma vie tout au long de 2022 pour me préserver. Ô Éternel, sois l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires et l'ami de mes amis. Seigneur Dieu, je me tiens sur l'alliance de mon père Abraham et je prophétise sur 2022. Celui qui me bénira sera béni, mais celui qui me maudira sera maudit. Je deviens source de bénédiction pour plusieurs nations. Je me tiens sur cette montagne et je prophétise sur 2022. L'aridité, l'infertilité, l'infécondité ne seront pas mon partage, mais la fertilité est mon partage. La fécondité dans tous les domaines de ma vie, je prophétise, je suis fécond et je serai fécond. Au nom précieux de Jésus, je porterai beaucoup de fruits et les nations de la terre seront nourries de mes fruits, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, au sommet de cette montagne, je prends autorité sur tous les adversaires de ma vie, sur tous les ennemis de mon existence, et je déclare
ils seront mon marchepied. Dans le nom de Jésus, toutes leurs paroles mauvaises, maudites, retournent sur eux. Dans le nom de Jésus, car c'est la loi et c'est les prophètes. Parce qu'il est écrit, ne touchez point à mes prophètes, ne touchez point à mes joints, et ne faites point de mal à mes prophètes. Parce qu'il est écrit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de ses yeux. Je me tiens, je déclare, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Celui qui m'attaquera trouvera mon Dieu. Ô Éternel, sois mon abri, sois mon refuge, sois ma haute retraite, sois ma bannière au jour du malheur, sois mon pourvoyeur au jour de ma détresse, sois mon berger à la croisée des chemins. Je me tiens sur cette montagne, je confesse que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis premier et non dernier. Je suis riche et non pauvre. Je suis béni et non maudit. Je suis dans l'abondance et non dans la disette. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur 2022. Je serai prospère comme jamais je ne l'ai été dans aucune des années qui ont précédé cette heure. Je prophétise que je brillerai dans tous les domaines de ma vie. Rien ne m'arrêtera. Aucune pratique de sorcellerie, de maraboutage, de franc-maçonnerie, de rose-croix, aucune pratique satanique, diabolique, occulte ne m'arrêtera. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été dit à mon sujet par la bouche de l'Éternel s'accomplira. S'accomplira certainement. 2022, je ne connaîtrai point d'échec. 2022, je ne pleurerai pas, sinon de joie, sinon de bonheur, sinon de gloire, sinon de grâce. Ce que mes ennemis attendent n'arrivera pas. Leurs yeux ne se réjouiront point à mon sujet. Mais mon Dieu se lèvera et il me défendra. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dis Amen cette fois, c'est scellé. Nous acclamons Jésus parce qu'il nous a exaucés. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Avant de partir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a connu un monsieur qu'on appelait Abena? Une femme qui était avec nous qu'on appelait Abena. Vous avez vu qu'il y avait un Abena? C'était qui pour vous? Votre ami, oui. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est la maman aussi. Oh, maman. Est-ce qu'on peut prier pour elle avant de partir? Maman, le Seigneur veut vous faire du bien passé. Toute votre vie là, c'est les pleurs. C'est votre vie, c'est les pleurs. Et l'histoire d'Abenassi, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Il est où maintenant? Il est là, papa. Oh. Ici à Yaoundé. Et dit quoi? Il est là. Vous êtes ensemble? De temps en temps. Vous êtes ensemble de temps en temps? Oui, papa. Donc c'est méthodique. C'est comme périodique. C'est saisonnier. Vous l'aimez? Mm-hmm.
Oui, papa. Il vous aime. Je ne peux pas le confirmer. Hein? Je ne peux pas le confirmer. Vous ne pouvez pas le confirmer. Oui, papa. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il n'est pas là. Il disparaît. Oui, papa. Ok. Je peux vous aider. Oui, papa. Ok. D'abord, votre famille, Dieu va vous restaurer pour ça. Amen. Votre famille d'abord, amen, le Seigneur amen, va vous restaurer. Amen, papa, je reçois. Non, Dieu, je... vous serez parmi les personnes que le Seigneur Jésus va bénir sur cette montagne. Amen. Avant de rentrer. Merci Seigneur. Vous êtes parmi les personnes que le Seigneur, à qui amen. Dieu fera grâce. Amen. Amen. Mais le amen, Seigneur amen. Me dit de vous dire que vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup, papa. Et que 2022, vous avez fait une prière la nuit ici. Alléluia. Que 2022 vous apporte le repos. Amen. Et c'est vrai, le Seigneur papa. M'a dit qu'il vous a exaucé. Amen. 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 Je reçois au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'actes de justice que vous avez fait, que vous avez posé dans votre vie. Et c'est l'heure que le Seigneur vous récompense. Amen. Merci c'est Seigneur. C'est le temps. Regardez-moi. Que Dieu la bénisse. Amen. Elle est déjà bénie, je n'ai même pas besoin de prier. Amen. Vous voyez, quand vous voyez cette femme, il y a des actes qu'elle a posés et le Seigneur l'a béni pour ça. C'est pour ça que je vous ai enseigné qu'il faut être riche en actes de justice. C'est capital. Vous comprenez? Vous êtes riche en actes de justice. Saint-Esprit, merci parce que tu es bon. Ta miséricorde est avec nous sur cette montagne. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, vous aviez une amie que vous aimiez beaucoup, avec qui vous aviez des problèmes, qu'on appelait Marie. Hmm? Qu'on appelait Marie. Et vous avez eu des problèmes avec elle. Et à cause de ces problèmes, vous êtes séparés. Oui, papa. Mais votre attitude dans le problème que vous avez eu avec Marie a plu au Dieu des cieux. Amen. Parce qu'elle elle a été injuste envers vous. Vous lui avez dit que Dieu non, que Dieu je te laisse avec Dieu. C'est vrai papa. Elle est où maintenant? Elle est là. On l'appelle comment? Marie. Vous lui avez dit je te laisse avec Dieu. Oui papa. C'est ce que vous lui avez dit. Oui, papa. C'est ça. Oui, papa. Bon, il y a beaucoup d'autres actes comme ça que vous avez causés. Vous avez posé devant Dieu et que le Seigneur a pris en votre faveur. Amen. Et c'est l'accumulation de ces choses qui fait que Dieu va vous bénir. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Abénassi, c'est quelqu'un que vous aimez, n'est-ce pas? Oui, papa. Est-ce que je peux vous révéler quelque chose sur lui parce que vous êtes sur la montagne? Oui, papa. Dieu exauce votre prière. Oui, papa. Amen. Dieu exauce votre prière. Amen. Amen, 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 amen. Regardez. Parce que Dieu vous aime. Et parce que votre cœur envers lui est droit. Il y a une fille qu'il vous a montrée. Et qui est entre vous et lui, qu'on appelle Christelle. Et cette fille n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une amie à Bena ou je ne sais pas. Non. C'est sa copine. C'est sa copine. De longue date. Et à l'heure où je suis en train de vous parler maintenant, là, ils sont ensemble, à l'heure-ci. Et c'est à cause de Christelle que Abena n'arrive pas à se décider sur vous.
Mais son cœur est partagé entre vous. Christelle. Vérité. Qui est comme une amie à vous. Qui est comme une... La dernière fois que vous avez vu, c'est quand? Ça fait pas longtemps. Est-ce que vous imaginez qu'il y a quelque chose entre eux? Enfin, sa façon de faire, j'imagine que je soupçonne qu'il y a quelque chose. Sa façon d'être. Sa façon d'être, c'est comment? Elle se comporte comment? Distant. Ok. Regardez. Maintenant, vous connaissez ce qui fait qu'Abena n'est pas engagé. C'est parce que Christelle a pris son cœur. Et Christelle a pris son cœur avec quoi? Le charme. Vous avez fait le business? Vous avez eu à faire le business? Oui, fait le business. Oui, papa. Regardez. Fais le business. Ce que je vous dis, c'est... Il y a une femme avec qui vous travaillez qu'on appelle Mado. Oui, papa. Vous faites le business ensemble, c'est votre collègue. Oui. Elle est au courant de ce que je vous dis. Elle sait. Vous ne lui avez pas encore demandé? Non. Elle est où? Elle aussi là. On l'appelle comment? Mado. Elle est au courant de tout ça. Oui, papa. Vous comprenez? Oui, papa. Regardez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur cette montagne pour lui? Dites-moi tout ce que vous allez dire, ça va arriver. Que Dieu le localise. Ça veut dire quoi? Même moi, le prophète, je suis embrouillé, je ne comprends pas. Qui se décide? Qui se décide? Parce que tout récemment, il disait qu'il ira voir mes parents. Que quoi? Il disait qu'il ira voir mes parents. Il a dit qu'il voulait aller voir les parents. Oui. Bon, laissez-moi vous montrer une chose. Abena, regardez-moi quand je parle. Je suis moi, c'est une... Abena a un autre problème. Il a un autre problème, vous comprenez? Oui, papa. Il a, en dehors de Christelle, si, il y a une fille avec qui il était d'abord, qu'on appelait Virginie, qu'il allait épouser. Vous saviez ça? Non, papa. Il y avait une fille qu'on appelait Virginie, qu'il allait épouser, que la famille connaît. Et qui aussi a juré que 2022, c'est Abena doit lui revenir aussi. Donc, maintenant, vous me dites, les autres vont faire la pratique de sorcellerie. Nous, on prie Jésus-Christ. Amen. C'est nous qui gagnons. Amen. 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 Regardez. Vous êtes une belle femme. Hein? C'est seulement les difficultés qui vous ont changé. Malgré que la femme soit comme ça, les hommes l'aiment. Je mens. Non, papa. Je mens. Au marché, non, il y a un jeune Armand qui est en train de te déranger. Tu lui as dit que je suis ta mère. C'est ça, papa. Hein? Oui. Il t'a répondu quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu de la mère? Qu'il a foutu. Je vous dis la vérité. Les hommes l'aiment jusqu'à. Mais nous allons prier pour Abena. Amen. Que le Dieu des cieux ramène son cœur. Amen. Parce que c'est une bonne personne. Amen. 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 La prière que je vais faire sur vous, vous n'allez rien lui dire. Oui, lui-même va vous écrire sur WhatsApp. Amen. 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 Il va vous écrire avec son numéro orange. Parce qu'il a un numéro orange qui a beaucoup de 9 sur ça. Oui, papa. 690, 90, 99. Il va vous écrire avec ce numéro. Amen. Vérité, papa. Hein? Vérité. Vérité. Tu es étonné. Non, je ne suis pas étonné, papa. Parce ah bon? Que c'est ce que mon Dieu peut faire. Ah! Ya, ya, ya. Oh! La maman aussi.
il va vous écrire et il va dire, chérie, je veux te voir. Et acceptez le rendez-vous. Oui, papa. Et il va vous ouvrir son cœur. Amen. Et vous dira la vérité. Amen. Sur les choses que je viens de vous dire ici. Amen. Et il va vous dire que je m'engage maintenant à être avec toi parce que 2022. Parce que comme je vous parle là, l'ange de Dieu sera envoyé vers lui cette nuit. Amen, 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 amen. Amen. Amen, je reçois. Amen. 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 L'ange de l'Éternel lui sera envoyé cette nuit. Amen. Pendant qu'il sera avec Christelle. Amen. Et il ne va pas finir la nuit avec Christelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Joyeux mariage. Amen. Sarami mole goimo seré. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Soyez en évoi, le roi. Oh, sarami mole goi. Ak sarami mo jerameloi. Sevaromi moltei. Malogelo. Et soferami monra i filimin. Ana utel mora bana surami. Le infilmuna umina indalo akse faromina Elohim saramimunra amsoran.